Boudin est un court-métrage d'animation français qui a été réalisé par Clara Vassalière en 2022. Il dure 4 minutes 52. C'est un film assez triste qui raconte un drame familial vu par les yeux d'une enfant. Boudin est un court-métrage très mystérieux et n'en va pas plus que nécessaire à la compréhension de l'histoire. Et encore, pour certaines subtilités, il est mieux de le revisionner. De plus, on ne sait pas comment réagir face à ce film. On ne sait pas si on doit en rire ou en pleurer, puisqu'il alterne entre des moments tristes et des moments drôles, allant d'un extrême à l'autre sans transition. Je trouve également que les réactions de la mère sont étranges face à certains événements, pour qu'il n'y ait pas quelque chose de caché dans l'histoire. Un autre point étrange de l'histoire est que nous ne voyons jamais le visage des autres personnages. Ils sont soit cachés par un élément du décor, soit il est possible d'avoir des indices sur eux grâce aux détails dissimulés un peu partout. Comme par exemple sur le poster dans la chambre de Cécile, ou bien sur les portraits de ses parents avec elle. Dans ce film, le réalisateur profite de l'insouciance de la petite fille pour nous montrer des faits choquants et difficiles à aborder. On a l'impression d'être inatteignable, alors que ce sont des choses qui arrivent malheureusement dans la vraie vie. Comme la petite fille ne comprend pas, le film devient un grand euphémisme. Chaque événement ou chaque expression trop crue sont allégées par la voix enfantine de l'enfant et sa façon juvénile de parler. C'est un film d'animation au dessin simple et compréhensible sans détails superflus. On peut deviner que c'est dessiné sur une base au décor réel par la présence de matériaux bruts comme le carton. Il n'y a pas de musique de fond dans ce film, seulement quelques effets sonores qui renforcent son effet plutôt simple.